Depuis le 10 février dernier et l'accident de quoi causer Pierre Palmade, les langues se délient. Ainsi, de nombreux proches de l'humoriste attestent bel et bien que l'humoriste a toujours consommé de la drogue. Certains vont même jusqu'à décrire leur soirée ou encore leur nuit passée avec l'acteur. Mais il y en a d'autres qui se disent tout simplement déboussolés et qui pensent plus que tout aux victimes de ce drame. En effet, Muriel Robin indique être écœurée, dépitée et malheureuse. Toutefois, il y en a une qui n'a pas souhaité prendre la parole en public, Michel Larocque. En effet, l'actrice, qui a partagé pendant longtemps la scène aux côtés de Pierre Palmade est toujours murée dans le silence. Néanmoins, elle a fait un choix très discret et qui en dit long sur ce qu'elle pense de l'affaire. Sur Instagram, elle a supprimé la majorité des publications qui auraient un lien de près ou de loin avec Pierre Palmade. Et pour cause, de nombreux internautes n'hésitent pas à la blâmer au sujet de son silence. Fort heureusement, d'autres la comprennent. Comme vous devez être malheureuse de ce qu'il se passe. J'ai une pensée pour vous, a écrit une abonnée. Michel Larocque et Muriel Robin, lourdement critiqués en guise de réponse, Michel Larocque a cliqué sur « J'aime ». Si Michel Larocque se fait critiquer pour son silence, Muriel Robin est quant à elle la cible de critiques concernant son avis tranché sur la question. Devant ce type de comportement, Cyril Hanouna a décidé de défendre la comédienne. Muriel Robin, à un moment elle aime son ami mais elle peut plus pardonner, à un moment voilà. Là elle est dans un truc où elle est comme nous tous ici, on aimait beaucoup Pierre Palmade, on avait tous envie même quand il est venu, de l'aider, mais à un moment. C'était une amitié fusionnelle de 35 ans qui a volé en éclats, explique l'animateur. On your